Il y a le feu des Boas.
Jésus est le feu, il est beau. Oh, il est le feu, il est le feu, il est beau. Jésus est le feu, il est beau. Il est le feu, il est beau. Jésus est le feu, il est beau. Le tout-puissant, merveilleux conseiller, le prince de paix. Il est roi, il est vraiment roi. Son royaume est il sans le beau. Son nom est le Dieu tout-puissant, merveilleux conseiller, le prince de paix. Il est roi, il est vraiment roi. Il est roi, il est vraiment roi. Son royaume est si grand et beau. Son nom est le Dieu tout-puissant. Merveilleux conseiller, le prince de paix. Il est roi, il est vraiment roi. Conseille le prince de paix. Il est roi, il est vraiment roi. Le tout puissant Dieu, le tout puissant Dieu. Il est roi, il est vraiment roi. Je vais cacher Jésus, 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 Jésus. Il est roi, il est vraiment roi. Ton royaume est si grand et conseiller le prince de paix. Il est roi, il est vraiment roi. Son royaume est si grand et beau. Son nom est le Dieu tout-puissant. Merveilleux conseiller le prince de paix. Il est roi, il est vraiment roi. Il est Dieu, 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 il est Dieu,
il est Dieu. Il est Dieu, 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 il est Dieu. Il est Dieu, 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 Jesus.
Parce que si tu dis précieusement, c'est grâce au Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi tu vas témoigner ton amour avec lui. En lui chantant, lui les louanges, les paroles, ton formulaire avec lui, les prières, pour lui donner sa joie, la grâce et l'élévation. Tout ton cœur à Jésus, commence à prier Jésus, commence à lui dire merci. Oh Jésus, oh Dieu vivant, tu es l'alpha et l'oméga. You are Yahweh. Oh, Jesus. You are Yahweh. You are
adore-toi, il n'y a pas d'autre Dieu. Adore-toi, il n'y a pas d'autre salut. Oh Dieu vivant, si le vis c'est pour ta grâce, si le vis c'est pour ta volonté, Seigneur. Oh Dieu vivant, et attends les trois mondes, les soupirs de feu. Seigneur t'a choisi, quand tu sors de lui, quand tu sors de
toi. Le Seigneur ne va pas avec toi. Parce que tu as, c'est lui seul qui a payé le prix. C'est lui seul qui a payé le prix. C'est lui seul qui je suis. Le lion de la tribu de Juda. Si j'attrape, personne ne lâche. Si je lâche, personne n'attrape. Car que toi, le vent et la tempête, reçois ton message. Reçois ton message. Reçois ton message. Reçois ton message. Ne regarde personne. Ne regarde personne pour adorer ton Dieu, pour adorer ton Créateur, pour adorer Jésus. Il est auprès de toi. Il est là matin, midi, soir. Il est à tout le temps pour te sauver. Il ne t'abandonnera pas. Il ne t'abandonnera pas. Et puis Jésus est avec vous. Je veux connaître, vous me connaître, je veux connaître, vous me connaître, je veux connaître, vous me connaître. C'est lui qui fait ainsi chaque jour, chaque temps. C'est lui qui est là. Il est le seul qui est là. Il est redoutable. Il est le redoutable. Il est le redoutable. Il est le redoutable. Il est l'incomparable. Il n'y a personne. Il n'est pas comparable à lui. Jésus auprès de toi. Il repose sa main sur ton épaule. Il repose sa main sur ton épaule. Il repose sa main sur ton épaule. Il te donne. Il te donne. Il te donne. Il te donne. Il partage. Il partage. Reçois. 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 Ton amour. Ton affaire. Reçois. Tout ce qu'il te donne. Il te donne de l'huile. Il te donne de l'huile. Pour que tu fais. Autour de toi, tu seras serviteur, tu seras servant, tu seras serviteur, tu seras servante. C'est le Seigneur qui t'a donné ce nom, ce n'est pas quelqu'un, c'est écrit. Oh Jésus, tu es beau, tu es bon, vraiment, tu es bon. Oh Jésus, tu es bon, tu es bon. Oh Jésus, vois comme les fois, Jésus, tu es bon pour toi. Comme n'est pas le roi des gloires, il s'est dépouillé de sa gloire. Bon, et il t'a tellement aimé, bon, qu'il n'a pas hésité à laisser sa gloire pour venir pour toi, pour manifester son amour envers toi. Oh mon Dieu, parce que Dieu fait des choses dans ta vie. Il n'y a plus de personnes qui cherchent cette occasion, mais qui ne l'ont pas. Mais à toi, Dieu fait grâce. C'est un privilège, parce qu'il est prophète des soeurs. Tu es plus béni en ce moment, mais tu es coupé par les activités de la vie. Tu m'as aimé, tu es bon, tu n'as point changé, oh, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon, tu es bon, vraiment, tu es bon. Oh Jésus, tu es bon. Tu es bon, oh mon Dieu, tu es bon, tu es bon, vraiment, tu es bon, il t'a sauvé, tu es bon, il t'a délivré, tu es bon, oh mon Dieu, tu es bon, tu es bon, vraiment, tu es bon, oh Jésus, tu es bon. Tu es bon, l'agneau divin, tu es bon, tu es le Dieu, mon Dieu.
Ma préférence, Seigneur Jésus-Christ, c'est de t'adorer, Seigneur Jésus-Christ. Ma préférence, Seigneur Jésus-Christ, c'est de célébrer. C'est de t'adorer, éternel Dieu. Parce que je ne considère pas mon existence, Seigneur. C'est t'adorer, Seigneur. Parce que je vis maintenant, Seigneur. C'est pour toi que je vis, Seigneur. C'est de t'adorer. C'est de t'adorer. C'est de t'adorer. Oh, je veux t'adorer, t'adorer.
toujours. Préférons-le, c'est de ta gloire. Parce que nous sommes en train de l'appeler le Seigneur Jésus-Christ. Préférons-le. Mais nous ne pouvons pas l'appeler le Seigneur Jésus-Christ. Préférons-le. Avec l'interdit du mieux de nous. C'est de ta gloire. Nous ne pouvons pas rentrer dans l'appeler le Seigneur Jésus-Christ. Avec l'interdit du mieux de nous. C'est pas chacun pour sa part. Parce que l'éternel a dit, Jésus-Christ a parlé dans sa parole. Il dit sa main n'est pas courte pour agir. Il dit ses oreilles puissent pour nous entendre. Mais c'est nos iniquités qui nous éloignent de lui. C'est pourquoi tu vas penser. Parce que cette dimension dans laquelle nous voulons partir. Nous ne voulons pas partir au combat. Nous ne voulons partir dans cette adoration. En ayant tout l'interdit au milieu de nous. C'est pourquoi chacun pour sa part va ressasser sa vie. Va analyser sa vie, va voir sa manière de marcher avec le Seigneur. Là où il a eu un comportement qui n'a pas honoré Dieu. Parce que la main de l'Éternel n'est pas courte pour agir. Ni ses oreilles dures pour nous entendre. Mais ce sont nos iniquités, ce sont nos fautes, nos transgressions, nos comportements qui éloignent la présence du Seigneur de nous. C'est pourquoi chacun pour sa part, on va rentrer en nous-mêmes. Et nous allons prier l'Éternel Dieu. Afin que nous puissions enlever l'Éternel du milieu de nous. À quand il a apporté l'Éternel du milieu du peuple. Et nous avons vu la dévastation. Nous ne voulons pas aller encore dans cette adoration sans nous dépouiller du vieil homme. C'est pourquoi chacun pour sa part. Tu vas entrer en plus profond de toi-même. Parce qu'il a dit, lorsqu'il y a le péché, sa main ne peut pas agir. C'est pourquoi tu vas éprouver. Tu vas demander pardon à Dieu. 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 Parce que tu es béni aujourd'hui ici. Tu es béni, c'est peut-être quelque chose de lui. Mais tu n'es pas béni. Et tu es sous la malédiction. C'est pourquoi tu vas te rapprocher de ton Dieu. Mais pour te rapprocher, tu as besoin d'une repentance sincère. Tu as besoin d'une repentance sincère. Pour que Dieu puisse enlever le péché qui s'est collé à ton âme. Pour que tu puisses enlever ce péché-là. Pour que tu aies la faveur de l'Éternel. Commence à prier. Commence à prier. En arrière. Repends-toi. Qu'est-ce que j'ai laissé tomber? Repends-toi. Qu'est-ce que je n'ai pas fait? Repends-toi. Pourquoi la main de ta vie? Repends-toi. Avoue-le. Tes forces et tes transgressions. Là où tu as marché, qui n'a pas été la volonté de Dieu. C'est le moment pour toi. Parce qu'il y a plusieurs personnes. Tu avais voulu avoir du temps pour se repentir. Mais l'occasion n'est pas été accordée. Mais toi, Dieu t'aime tellement, tu as encore l'opportunité, aujourd'hui, l'opportunité de pouvoir revenir à lui. C'est pourquoi tu vas prier à Jésus. Tu vas crier à lui. Tu vas crier à lui. Tu vas implorer sa grâce. Tu vas implorer sa miséricorde. Sur ta vie, autour de toi. Sa clémence. Sur ta vie. C'est pour toi le moment de prier, Jésus-Christ. Pour éternel Dieu. Voici ton peuple, éternel Dieu. Nous sommes devant toi, Seigneur. Toi qui connais ce qui est profondément enfoui et caché. Tu connais ce qui est dans les ténèbres. Et la lumière réside auprès de toi. Ô éternel Dieu. Je te prie, éternel Dieu. Voici ton peuple que nous sommes, éternel Dieu. Nous sommes dans ta maison, éternel Dieu. Avec l'interdit, Seigneur Jésus-Christ. Parce que notre cœur était chargé, éternel Dieu. Notre cœur était plein de colère. Notre cœur était plein de ruse, de malice, éternel Dieu. Ô Jésus-Christ. Nous avons parlé du revers de la main, Seigneur. Nous n'avons pas manifesté cette vie de cité à laquelle tu nous appelles, Seigneur. Mais nous avons voulu nous plaire, éternel mon Dieu, dans nos comportements qui ne nous donneront pas, ô Jésus. C'est pourquoi, éternel Dieu, j'ai crié à toi, Seigneur. Afin que tu aies pitié ton peuple, Seigneur. Que tu aies pitié ton assemblée, Seigneur. Que tu apportes la grâce. Que tu apportes ta grâce. La compassion, Seigneur Jésus-Christ. Parce que nos regards, éternel mon Dieu, sont projetés, éternel mon Dieu, sur des choses qui sont souillées. Des choses occupées, éternel mon Dieu. Et notre cœur a pris plaisir à cela, éternel mon Dieu. Quand nous avons regardé la nudité de Christ, éternel mon Dieu. Et nous avons pris plaisir à cela. Oh Jésus, aie pitié de ton église, Seigneur. Aie compassion, Seigneur. Aie pitié, Seigneur. Aie compassion, Seigneur. Je t'en supplie, oh Jésus. Aie pitié de nous, Seigneur. Je te demande pardon, Seigneur. Quand nous avons mal agi, Seigneur. Aujourd'hui, éternel Dieu, notre péché est constamment devant nous, Seigneur.
nos péchés constamment devant nous. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Parle à ton église, Seigneur. Parle à ton peuple, Seigneur. Acquérions-nous, Seigneur. Toi qui es la parole de la vie. Acquérions-nous, Seigneur. Acquérions-nous, Seigneur. Nous crions à toi, Seigneur. Nous implorons ta grâce. Nous implorons ta compassion. Nous implorons ta miséricorde. Aide-nous, pitié de nous, Seigneur. Je te supplie, oh Jésus. Ne nous laisse pas et le loin de toi, Seigneur. Ne nous envoie pas, Seigneur. Ne nous lis pas le sang et de la Dieu. Oh Jésus. Je te demande pardon, Seigneur. Pardon, Jésus. Pardon, Jésus. Pardon, Jésus. Jésus a pitié. Jésus a compassion. Jésus a pitié. Jésus a compassion. Je te supplie, Seigneur. Oh, Jésus, papa. Aie pitié, Seigneur. Prends-nous. Aie pitié, Seigneur. Aie compassion, Jésus. Pardon à ton église, Seigneur. Pardon à ton peuple que nous sommes, éternel Dieu. Car, éternel Dieu, nous n'avons pas la chance, Seigneur. Que nous voulons regarder dans ce comportement, éternel Dieu. Peut-être que nous ne serons pas au niveau des vivants, Seigneur. Notre Dieu est patient avec nous, Seigneur. Donne-nous le temps, éternel mon Dieu. Afin que nous puissions revenir à toi, Seigneur. Je te dis merci pour notre occasion, Seigneur. Je te dis merci pour le privilège de retourner à toi, Seigneur. C'est pourquoi, éternel Dieu, nous venons à toi, Seigneur. Implorons ta compassion. Implorons ta pitié. Te demander pardon, Seigneur. Jésus est pitié de nous. Jésus est son sang à l'église, Seigneur. Car il est dit en mieux ton cœur, Seigneur. Et tu ne peux pas agir, Père mon Dieu. Parce qu'il y a l'interdit, Seigneur. C'est pourquoi nous demandons de couler, éternel Dieu. Les hommes parlent de la chair. Oh Jésus-Christ. Éternel, éternel. Souviens-toi, Seigneur. Que ton peuple puisse être rassemblé ici. Souviens-toi, éternel Dieu. Que ton peuple, Seigneur. Souviens-toi de la famille de la saint. Oh Jésus-Christ. Nous te demandons pardon, Seigneur. Nous te demandons pardon, Seigneur. Nous te demandons pardon, Seigneur. Jésus a pitié. Jésus a compassion. Jésus a pitié. A pitié. A pitié. Car nos pères sont dans le sang, Seigneur. Nos genoux sont fragiles, éternel Dieu. En plein midi, Seigneur. Nous sommes pris du péché, Seigneur. Oh Jésus. Oh, secours, Seigneur. Oh, secours, Jésus. Oh, secours, Jésus. Je t'en supplie, Seigneur. La pitié, Seigneur. Oh, Jésus. Oh, Jésus. Oh, Jésus. Dans ce même condition, réclame le sang de Jésus. Réclame le sang de Jésus. Réclame le sang de l'agneau. La Bible déclare ce sang. La Bible déclare. Et sans l'effusion du sang, il n'y a pas de pardon. Réclame ce sang. Ce n'est pas le sang des animaux. Ce n'est pas le sang des boucs. Réclame ce sang. Le sang d'un homme ordinaire. Réclame ce sang. C'est celui-là qui a créé les cieux. Il vient. Celui-là qui a créé la terre. Depuis le sang de l'univers. Devant qui tout s'écrit. Depuis le ciel. Il veut implorer le sang de Jésus. Il a invoqué son sang. Afin de laver. C'est le sang qui a fait le péché. C'est ce sang qui a coulé. Il purifie. Il sanctifie. Ce jour. Il veut invoquer le sang de Jésus. Tout ce sang est coulé. Afin d'enlever l'interdit du fait de toi. Afin de dissocier. Oh, le péché. Le sang. Afin de ce sang. Oh, Jésus. Afin de ce sang qui est sauvé. Oh, Jésus, viens nous laver. Viens nous laver, Seigneur. Viens nous laver, Seigneur. Oh, Dieu vivant. Viens nous laver, Seigneur. Lave-nous, Seigneur, viens nous laver, Seigneur. Viens nous laver, Jésus. Viens nous laver, Seigneur. Lave-nous, Seigneur. Viens, lave-nous, Seigneur. Oh, Jésus-Christ. Lave-nous, Seigneur. Par ton sang. Viens nous laver, Seigneur. Nous avons sali notre âme, Seigneur. Nous avons sali notre âme, Seigneur. Viens nous laver. Viens nous laver. Viens nous laver. Viens nous laver. Oh, Jésus-Christ. Oh, Seigneur. Je suis en train de me faire un peu de temps.
Je bénis encore ta seigneurie. Je bénis ta sainteté, Seigneur. Parce que tu es celui-là. Tu es celui-là en qui nous avons placé notre confiance. En qui nous trouvons refuge, Seigneur Jésus-Christ. Lorsque nous sommes accablés, fatigués, chargés, c'est au point de temps que nous venons afin de trouver du repos. Oh Jésus, merci pour cette grâce. Nous allons encore prier l'Éternel Dieu. Nous allons prier encore l'Éternel Dieu. Tu connais tes faiblesses. Tu connais tes faiblesses. Sans l'Esprit de Dieu, tu ne peux pas servir l'Éternel. Parce que tu n'es pas conduit par l'Esprit de Dieu, tu ne peux pas le servir. C'est pourquoi tu vas regarder ta vie. Et là où tu es faible, tu vas demander l'intervention de Jésus. Parce qu'il est un secours pour ceux-là qui mettent leur confiance en lui. Il ne nous délaisse jamais. C'est pourquoi tu vas voir, là où ça ne va pas dans ta vie, là où tu es une situation de faiblesse, là où ça ne va pas, là où tu luttes et tu vois que tu n'arrives pas, là où tu es limité. Mais Jésus n'est pas limité. Parce que ce qui est impossible à l'homme est possible à Dieu. Ce qui est impossible à l'homme est possible à Dieu. C'est pourquoi tu vas demander la force de l'Éternel. Tu vas demander son courage. Tu vas porter son manteau d'assurance, son manteau de fermeté, afin que tu puisses agir fidèlement à sa parole. Tu vas élever la voix. Et tu vas dire à l'Éternel,
Seigneur Jésus-Christ, je suis faible ici, je suis faible là. Lorsque je vais te servir, lorsque je vais faire le bien, je n'arrive pas à le faire le bien. Lorsque le mal que je ne vais pas faire, c'est cela que je m'adonne à cela. Oh Jésus-Christ, je suis faible. Regarde mes mains. Sans ton secours, éternel Dieu, je suis perdu, Seigneur. Sans ton intervention dans ma vie, éternel Dieu, je ne suis rien, papa. Le monde des ténèbres, éternel, mon Dieu, va marcher sur moi. C'est pourquoi, éternel Dieu, moi, je suis ta créature, Seigneur. Pour moi, je te donne la croix, éternel Dieu. Tu es venu sur cette terre, tu t'es dépouillé ta gloire, éternel Dieu. Oh, éternel Dieu, mais donne ton secours n'est rien, éternel Dieu. Prie. Parce que tu es un Dieu d'amour. Demande ton secours, ton Dieu. Un Dieu de joie. Ton créateur. Oh, éternel Dieu. Il t'attend. Le Seigneur Jésus-Christ. Il est la porte de ton cœur. Oh, Dieu vivant. Parle-lui. Nous voici devant toi, Seigneur. T'écoute. Nous avons tellement de faiblesses. Dieu dans ton secours. C'est pourquoi la bénédiction tarde, éternel. Dieu dans ton secours. Oh, éternel Dieu, tu es un Dieu qui agit. Tu n'agis pas en dehors de ta parole, mais tu as dit ta parole, éternel. Oh, Dieu vivant. Viens te soumettre ton église, Seigneur. Viens te manifester ton église, Seigneur. Viens manifester ta puissance. Viens manifester ta puissance. Oh, Jésus. De mauvais, éternel Dieu. Souffle des dents. Écoute-nous, Père. Nous devions faibles. Réveille-nous devant ton manteau d'assurance. Et ton manteau de feu. Ton manteau d'assurance. Ton manteau de feu. Ton manteau d'assurance. Ton manteau de feu. Ton manteau d'assurance. Ton manteau de feu. Oh, éternel Dieu. Tout le monde est dans ton nom, Seigneur Jésus-Christ. Tout le monde est dans ton nom, Seigneur. Afin que l'éternel, mon Dieu, nous soyons bien modélés par toi. Sauve-nous. Afin que nous soyons bien modélés par toi, Seigneur. Afin que l'on soit en nous, éternel Dieu. Afin que nous soyons en ta vie, Seigneur Jésus-Christ. Nous avons besoin de ton secours, Seigneur. Nous avons besoin de ton secours, Seigneur. Nous avons besoin de ton secours, Seigneur. Éternel, souviens-toi, Jésus. Éternel, souviens-toi, Jésus. Souviens-toi, Jésus. Repends-toi, Jésus. Repends-toi, mes infidélités. 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 Oh, Jésus. Dans tous les domaines de notre vie, saisis-moi de nous, Seigneur. Et là, il est nous devons arriver. Notre dimension est limitée. Et nous sommes exaucés au nom de Jésus. Nous avons prié. Et nous sommes exaucés au nom de Jésus. Amen. Bien, veuillez vous asseoir. On acclame puissamment le Seigneur Jésus-Christ. Jésus. Et le Seigneur nous bénisse. Tu veux saluer ton frère, tu veux saluer ta soeur. Je lui dis un shalom, avec un cœur souriant. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna.
Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Jésus. Alléluia, ô Jésus. Alléluia, ô Jésus. Alléluia, ô Jésus. Alléluia. Alléluia, ô Jésus. Alléluia. Alléluia, ô Jésus. Alléluia. Alléluia, ô Jésus. Alléluia, ô Jésus. Alléluia. Alléluia, ô Jésus. 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 Ô Jésus, merci Seigneur. C'est le moment que tu permets et tu te grâces, Seigneur. Merci pour ton esprit, Seigneur Jésus-Christ. Merci pour ta puissance que tu manifestes dans les villes, dans les crèches. Merci parce que tu disposes de ton église, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que tu délivres l'éternel de ton église. Tu délivres plusieurs éternels Dieu. Merci, Seigneur, éternel. Parce que tu as dit ta parole, nous te prierons, nous partirons, et toi, nous le serons. Je serai éternel Dieu. Merci, Seigneur, pour ta grâce et pour la délivrance de chacun. Merci pour ta paix dans le cœur et dans la vie. Merci pour l'atmosphère éternelle de ton onction qui agit encore dans les vies et dans les cœurs. Merci pour la joie que tu produis. Merci parce que tu as levé la haine. Merci parce que tu as levé l'amertume, éternel mon Dieu. Plusieurs étaient fatigués et chargés. Mais lorsqu'ils sont arrivés à ce lieu, éternel Dieu, à cause de l'adoration, éternel mon Dieu, tu as visité plusieurs. Que ton nom soit loué. Que ton nom soit glorifié. Je bénis encore ton nom. Je te dis merci, ô Dieu fidèle. Que toute la gloire, la louange, tout l'honneur te soit rendu. Que la suite du temps, éternel mon Dieu, soit conduit par ton esprit. Et sûr par ton esprit. Au nom de Jésus. Amen. On a parlé pour le Seigneur. Asseyez-vous, asseyez-vous. Que Dieu nous bénisse. D'accord. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Amen. Dieu, pourquoi la mise à l'aide des passages qui vont vous aller bénir. Dieu nous bénisse. Amen. Pour prendre le lieu des Lévitiques 19, avec le Père Dieu. Ok. Je lis la parole de Dieu avec respect. Amen. Lévitique 19, au verset 2. Parle à toute l'assemblée des enfants d'Israël et tu leur diras, soyez saints, car je suis saint, moi l'Éternel votre Dieu. Amen. On est deux. Mais tu bouges un peu. On a fait une lecture en un peu. Ben d'accord. D'après, tu as toujours le verset. Ok. Tu prends Jérémie 10, après le verset 2. Jérémie 10. Après le verset 2. Thank you.
Je lis la parole de Dieu avec respect. Ainsi parle l'Éternel, n'imitez pas la voix des nations et ne craignez pas les signes du ciel, parce que les nations les craignent. Amen. Est-ce que ça nous incarne à partir de verset 3? Je remets sur les deux versets, là, le livre des deux versets. L'église du 9-2. Intervenez 4, près de ces trois. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de l'impudicité. Amen. Je vais un peu de la version que Dieu. 1 Thessaloniciens 4, à partir du verset 3. Je lis la parole de Dieu avec respect. Ce que Dieu veut, c'est votre progression dans la sainteté. Ce que Dieu veut, c'est votre progression dans la sainteté. C'est que vous vous absteniez de l'immoralité sexuelle. On reprend Lévitique. On le dit, dès qu'il finit en même temps avec Robin, Jérémie 10, 2. On suit bien. Voilà, parce que qu'on passe pas la part pour toi. Lévitique 19, au verset 2. Parle à toute l'assemblée. Parle à toute l'assemblée. Des enfants d'Israël. Des enfants d'Israël. Et tu leur diras. Et tu leur diras. Soyez saints. Soyez saints. Car je suis saint. Car je suis saint. Moi, l'Éternel, votre Dieu. Moi, l'Éternel, votre Dieu. Jérémie 10, verset 2. Ainsi parle l'Éternel. N'imitez pas la voix des nations et ne craignez pas les signes du ciel, parce que les nations les craignent. Que Dieu nous bénisse. Nous avons été choisis par l'Éternel. Nous sommes mis à part de celui de Seigneur Jésus. Donc nous sommes saints pour lui. Il dit nous sommes saints pour lui. Parce que nous sommes un Dieu saint. À nous maintenant, là, il nous a tout donné. Tout ce qu'il nous demande simplement, là, il n'est pas limité. Les autres peuples, ce qu'ils font, ce qui se passe, quand on parle sur le ciel, sur la terre, c'est la même chose. Les différents événements qui vont se passer. Non. Parce que nous, en assurant de notre salut, c'est pourquoi on ne va pas se comporter comme les non-croyants. Nous avons l'assurance de notre salut. C'est pourquoi nous n'allons pas nous comporter comme les non-croyants. Nous ne pas nous comporter comme les non-croyants. Voilà, je voulais prendre ça pour introduire, avant de revenir sur le thème qu'on a déjà, on va traiter aujourd'hui. Comme je le dis toujours, un chrétien, c'est la consécration. Mais la vie de consécration, elle implique beaucoup de choses dans la vie de chrétien. C'est lorsque tu es consacré. Dieu nous a donné. Nous a déjà donné. Souvent, tu vas dire que je suis dans les difficultés, je ne vois rien, ou quelque chose comme ça. Non, non. Dieu permet les difficultés pour voir nos propres mains, pour voir notre foi, notre persévérance. Parce que c'est ce que Dieu t'a donné dès maintenant. Là, il te dit que tu vas envoyer Dieu. Tu n'es pas encore mieux pour avoir ça. C'est comme la mangue. Quand la mangue n'est pas mûre, quand tu la vois, tu la prends, non? Quand tu la manges, elle est aiguë, non? En fait, tu jettes ça. Oh, tu es pressé, n'est-ce pas? Et tu attendais que ce soit mûr. Quand tu allais prendre le noyau, tu allais pas, tu allais laver toujours le noyau. Mais c'est pas encore arrivé. Et puis tu es pressé. C'est quoi l'Éternel chaque fois là? Nous demande de ne pas nous inquiéter. Tu peux ne pas manger un jour, deux jours. Mon ami, il est là. Même s'il n'y a rien là. Il ne sait même plus où va manger. À moi, il t'a écrit les génies. Le besoin que tu auras, tu peux faire une semaine, tu n'as pas de manger. Au moins, tu vas finir de ne pas manger. C'est pourquoi la parole de Dieu nous déclare, nous inquiéter de rien. En plus, ce que nous devons faire là, c'est de pousser les rubans de sa parole. C'est de pousser les rubans de sa parole. C'est nous consacrer à lui. Plus on va se consacrer à lui, plus on va progresser dans la sainteté là. Vous allez voir des grandes choses et des ouvertures pour nous. Sans dire, on a béni. Mais c'est nous qui retardons toutes ces choses, c'est tout. C'est nous qui retardons. Par notre manière de faire, par notre manière de vivre. Dieu nous a déjà bénis. Dieu nous a déjà bénis. Je veux dire, c'est comme une révision, après une révision. C'est ce qu'on avait vu la fois passée. Le thème, c'était
veux-tu être réellement délivré du pouvoir du péché? Seigneur, ça va ouvrir l'esprit de plusieurs encore ici. On va plus s'étaler aujourd'hui. Veux-tu être délivré réellement du péché? Veux-tu être réellement délivré du péché? Nous allons prendre Lévitique et Luc 24, verset 21. Comme il est signifié là, la marche chrétienne là, elle implique beaucoup de choses. Et ce sont des rudiments là. Lorsque tu commences à t'approprier les rudiments automatiquement, ça fait que tu as guéri. Luc 24, 21. Oui, 21. Okay. Je lis la parole du Dieu avec respect. Nous espérions que ce serait lui qui délivrait Israël. Mais avec tout cela, voici le troisième jour que ces choses se sont passées. Amen. Amen. Ici, ils ont les disciples de Jésus. Et ils étaient avec Jésus. Ils ont connu la prophétie. Que les Isaïe, Jérémie, tout ça, ils ont prophétisé. Pour dire que le Messie va arriver, c'est lui qui va sauver. Quand lorsque Jésus est venu là, il était avec eux. Mais ils ne sont pas appropriés. Quand il les parlait, ils entendaient. Mais ils voulaient une délivrance comme un physique. Ok, il est venu pour nous délivrer de manière spirituelle. C'est pourquoi il a dit l'Esprit du Seigneur sur moi. Lorsqu'il a pris le rouleau. Isaïe 61. Lorsqu'il a pris le rouleau, il dit l'Esprit du Seigneur sur moi. Il m'a oint pour quoi? Pour délivrer quoi? Les captifs. Mais Jésus n'est jamais arrivé dans une prison pour délivrer les gens. Est-ce qu'on lit la parole de Dieu là? Il n'est pas allé dans une prison pour délivrer. Est-ce qu'il est allé dans une prison pour délivrer? C'est pourquoi lorsque tu lis la parole de Dieu là, il faut voir le contexte dans lequel ils ont parlé. Il faut voir maintenant ce que Dieu veut t'apprendre, il veut te montrer de manière spirituelle maintenant, pour que tu puisses comprendre la pensée de Dieu. Eux là, ils ont vécu de manière charnelle. C'est-à-dire que Jésus les parle, il était toujours avec eux. Quand Jésus les parle, eux voient de point de vue charnel. Ils sont... Et l'autre vient pour le vrai adorateur adorant le Père en esprit et en vérité. Et c'est dans la chair qu'ils adoraient. Au contraire, tu ne peux pas adorer Dieu dans la chair et puis tu serais agréable à Dieu. Non, loin de là. Tu ne peux pas adorer Dieu dans la chair et puis tu vas être. Non, comme ça. C'est pourquoi nous avons besoin de l'Esprit de Dieu. C'est pourquoi chaque fois nous avons besoin de l'Esprit de Dieu. Oh, eux, Jésus est venu. Ils ont parlé de tout, on dit les morts. Ils ont fait un jour, deux jours, trois jours. Et ils espéraient. Oh, Jésus les a parlé. Ils ont entendu. Ce qu'ils espéraient, ils ont entendu. Ils ont entendu. Mais ils se sont appropriés ça. Or, quand la Bible dit quelque chose, c'est pour que nous, qui sommes les enfants de Dieu, lorsque nous regardons, nous puissions faire attention aussi. Parce que nos dimensions aussi ont fait certains comportements que la Bible. Elle est détaillée un peu, mais elle nous demande que ah, ça c'est un danger pour nous. Donc nous, en nous mettant de pouvoir marcher autrement. C'est comme une boussole aussi. Pour dire que si nous empruntons le même chemin, notre finition n'est pas mieux d'être mauvais. Donc c'est pourquoi nous, enfants de Dieu, il ne suffit pas simplement. Parce que nous espérons être délivrés souvent du péché. Quand on vient souvent à la chaudière, non, on parle, les hommes de Dieu viennent au fond comme ça. Mais réellement, est-ce que nous voulons être vraiment? Parce que la parole déclare à tes résolutions répondra le succès. À tes résolutions répondra le succès. Quand on est dans le monde, mais quand tu es sous l'emprise du diable, est-ce que tu n'aimes pas ça même? C'est que toi, tu as une éthique d'abord. Mais toutes les désordres que tu as fait là, c'est que ça, que le soir, il n'y a pas fait ça. Tu as une volonté. Mais on est venu à Jésus là. C'est comme si on est devenu faible. On vient toujours sur les mêmes choses. Non. Parce que tant que les mêmes péchés seront là, tu ne pourras pas grandir. Tu ne pourras pas grandir. Parce que tu n'aimes pas en pratique. Si tu vois que tu voles là, tu fais tout possible. Quand ton cœur fait comme ça là, quand tu vas lâcher ici, après tu vas t'éloigner de ça en même temps. Quand tu es loin là, tu n'as pas besoin de ça. Ce n'est pas pour que tu aies t'attraper. C'est-à-dire que chacun de nous devons faire des efforts sur nous-mêmes. Mais si nous passons notre temps seulement à écouter simplement là, notre vie ne sera pas ça. Parce que lorsque tu écoutes là, lorsque tu entends, il faut mettre en pratique. Pas du même en pratique, mais on est écouté maintenant. Parce que écouter, c'est deux dimensions. Entendre, là, c'est une seule dimension. Donc, nous avons chacun d'entre nous. Appelle l'effort. Appelle l'effort. Depuis que les chrétiens, il faut voir les péchés. Il faut énumérer les péchés. Et puis, dans la semaine, c'est qu'il ne fait pas prier. Tu vas dire, tu penses être passé par ce que tu vas voir. Et c'est comment tu vas progresser dans la sainteté. Parce que la Bible nous recommande de progresser dans la sainteté. Si tu es là, si tu ne bouges pas, tu es saint, tu es là. Mais tu vas progresser dedans là. C'est très difficile. C'est pourquoi la Bible nous reprend de progresser dans la sainteté.
C'est une époque qu'on fait tous les jours sur nous. C'est un exercice qu'on fait spirituel qu'on fait tous les jours. Mais pour s'approprier ça, c'est la parole de Dieu. Mettre en pratique la parole de Dieu. Si nous ne faisons pas ça, automatiquement notre vie serait. Aujourd'hui ça va, demain ça ne va pas. Aujourd'hui ça va, ça ne va pas. Or, nous devons progresser. C'est pourquoi nous devons suivre l'exemple des apôtres. Nous avons été établis sur le fondement des prophètes et des apôtres, n'est-ce pas? Aucun apôtre a commencé, moi, aucun prophète a commencé, et puis c'est retourné à la fin. Et au frère, tu vois là, Dieu doit ajouter tous les coudées, et puis tu avances. Quand tu viens à la salle de prière, quand tu viens au coup de dimanche, chaque fois les coudées, quand la parole que tu entends là, normalement tu dois garder ça, tu dois garder ça. Mais si tu écoutes, tu ne sais pas le mettre en application, c'est comme un élève, il va à l'école, il ne fait pas des exercices. Tu ne veux pas essayer, t'as trouvé comment? Le temps des épreuves là, tu vas passer. Tu ne peux pas passer, parce que tu n'as pas fait d'exercice. Les autres exercices que tu vas faire continuellement, ils vont t'aider lorsque les épreuves seront là. Oh, pour nous, les épreuves, c'est quoi? Les épreuves, c'est ce qui se passe dans la vie. Que ce soit la convoitise du monde, la convoitise de la chair, les tout quoi. Ce sont les épreuves pour nous. Lorsque nous allons approprier cela maintenant, nous appelons les exercices spirituels là. Lorsque les épreuves vont venir, automatiquement, on serait victorieux des épreuves. Mais si c'est qu'on nous dit, on n'arrive pas à mettre en pratique. Jésus, on entend et ça sort. Nous sommes vides. Donc, quand tu es vide là, c'est le diable qui vient. Parce que lui n'aime pas ce que. Quand tu es vide, il n'aime pas. Le roi est vide, il ne vient pas. Jésus, non, lui, tape d'abord. Quand tu dis, il fait les gens. Mais le diable, même quand tu es vide là, lui vient. Il ne demande pas ta permission, il n'en s'amuse pas. C'est pourquoi nous devons nous approprier la parole, que la parole soit en nous. Voilà, comme je l'ai dit. Parce que on peut entendre. Entendre, c'est bon. Entendre, c'est bon. Les animaux là, est-ce que tu les écoutes? Je demande. On les entend, n'est-ce pas? Le bruit, le vent, on entend, n'est-ce pas? On peut écouter ça. Quand on écoute là, c'est-à-dire qu'il y a une dimension de mettre en pratique. Parce que je demande à chacun d'entre nous, est-ce que nous devons faire des efforts réellement pour que le péché qui est en nous là, pour que ça puisse quitter, est-ce que nous, on désire réellement? À chaque fois qu'on venir, le ténèbre va nous interpeller, tout ce que je pense. Mais il faut qu'on arrive à une dimension où le ténèbre va faire des dimanches, il va faire des mois sans nous interpeller. Mais si j'avais dit nous interpeller, c'est qu'on est encore loin. Si j'avais le ténèbre nous interpeller, c'est qu'on est encore loin. C'est sa miséricorde qui nous accorde chaque fois. Quand il veut nous interpeller, nous on les réprimande et puis il donne un peu de coudé. Un peu de coudé là, c'est qu'ils font les esprits spirituels, c'est qu'ils reçoivent ça. Si tu ne fais pas les esprits spirituels, tu ne vas pas recevoir. Mais il a dit qu'il est où béni, lui effectivement. Mais vous, tu ne vois pas. Oh, vous autres, vous voyez ça, n'est-ce pas? Hein? Comme l'homme de Dieu disait que ah, Dieu va bénir ce qu'on fait le concours, les examens, n'est-ce pas? Entraînement, avant ça, la veille, moi, il y a pris pour moi. N'est-ce pas? Il a dit que Dieu va bénir les yeux, les concours, les examens, tout le coup. Hein? Mais qui fait l'exercice là? Dieu va te donner. Mais il ne fait pas l'exercice là, tu ne vas pas gagner. Il va dire qu'il a béni son peuple. Mais ceux qui ont fait violence sur eux là, c'est que pour prendre ces bénédictions là, ils m'ont capté. Et les autres n'auront rien. Moi, il vient à l'église, il ne voit rien. Non, papa, tu ne vois rien. Après, tu vas mettre ta vie en conformité. Tu vas forcément dire avant la milliard que tu es heureux. Non. Tu vas avoir juste le nécessaire. C'est-à-dire que toi là, tu n'as pas fait, tu n'as pas le temps, à moins que tu décides de gêner. C'est-à-dire que tu as juste le nécessaire pour vivre, pour payer ta maison, pour faire comme ça. Tu n'as pas les crédits ailleurs. Ça, c'est une vie heureuse. La vie heureuse, ce n'est pas non, d'avoir des comptes. Non. Tu as dû payer ta maison, tu as dû te nourrir, tu as dû être petit. Tu as dû faire ce qui est le nécessaire dans la vie. Parce que c'est le bonheur que tu as eu comme ça. Le bonheur, ce n'est pas les grandes villas. Parce que les grandes villas, elles sont tourmentées la nuit. Tourmenté la nuit. Donc, c'est une grâce que nous avons du Seigneur Jésus-Christ. Chaque fois qu'on a parole sort, faisons le fort de nous approprier cette parole. Parce que le temps, un temps viendra où chacun de nous ne pourra plus se voir comme ça. Chacun se lève sur lui à la maison. C'est pas que la persécution serait grande. Chacun se lève sur lui à la maison. C'est le dépôt que tu auras reçu là. Ton téléphone là. Quand toi, nous pouvons couper ça. On t'a dit qu'il a appelé homme de Dieu, quelque chose comme ça. C'est que ce qu'on dit ici là, c'est entre nous d'abord. Le peu, il faut qu'on allume ça bien. C'est que même qu'on est séparés là, on arrive à tenir ferme. Comment on arrive à tenir ferme? C'est le but de tous les enseignements que les hommes de Dieu passent dans les enseignements. C'est le but de ça. Le temps viendra où tu serais seul quelque part. Mais il faut que le dépôt que tu as reçu là, il faut que tu arrives à gérer ça pour pouvoir continuer la marche chrétienne. Mais si tu n'as rien mis en toi, pourquoi il est très important de pouvoir réciter les versets? De prendre les versets pas derrière toi. Mais tu oublies les autres, c'est ça, tu appuies dessus et tu allèges comme ça. Mais quand on dit, on ne dit rien que comme ça. Quand l'homme de Dieu, Élie, il est passant, il a donné son témoignage, il dit, il aime tablette. Quand il fait la Bible, il n'aime pas trop prendre la Bible, mais il aime prendre tablette.
Mais dans son sens, la grande chose, laquelle a pris ta tablette, il a fait sur, il a évoqué sur le démon du football là. Le gars, il regarde dans ta tablette, il dit, tiens, c'est un instrument, il n'y a rien dedans. Il regarde quoi, un tapon, il n'y a rien dedans. La Bible n'est plus dedans. Dans son sens. C'est lui qui a une tablette là, c'est bon. Il faut avoir la Bible là. Là, tu apprends un peu plus. Parce que ça viendra, tout ça, c'est l'industrie. Nous, on a utilisé qu'on fait mais, l'intelligence de Dieu pour pouvoir bénéficier de ça. Mais ça viendra, ils vont tout effacer. On n'aura plus la vie, on n'aura plus ça. Mais ça fait comment? Même les ceux-là, on ne pourra plus les vendre aussi. Mais j'ai le dépôt qui sera en toi. Comme je disais, est-ce que nous faisons des efforts? Parce que nous écoutons, nous entendons. Nous entendons, mais nous ne faisons pas des efforts. Oh, nous faisons des efforts avec notre vache culturelle ne va pas s'avancer. C'est-à-dire qu'on dit, quand on va de mois en mois, il faut que tu puisses grandir. Quand on va d'année en année, il faut que tu puisses grandir. Si tu penses que tu es statique, tu ne bouges pas, c'est qu'il y a un problème. Quand on dit ça, la téléphonie, c'est un péché là. Fais l'effort de laisser tomber. Par la grâce de Dieu, fais l'effort de laisser tomber. Il faut prier. Comme il faut traverser toi-même. On va attendre que l'homme de Dieu te dise qu'il faut gêner. Comme il faut prendre des moments de gêne. Mais le gêne là, c'est la vie de consécration. Tu vas attendre qu'il y ait un homme de Dieu qui dit que j'ai deux jours, j'ai trois jours, non, fais comme ça là. Tu ne peux pas bénéficier. Toi-même, il faut aller à tes résolutions, tu es résolu avec le Seigneur. Personne t'a dit, c'est le secret du Seigneur Jésus-Christ. Il dit, Seigneur Jésus-Christ, je vais mortifier mon corps pendant quelques temps. Et tu penses au moment des gènes. Tu veux, je vais vous dire un secret. Souvent, on ne faut pas trop t'attarder sur toi. Souvent, c'est pour le moment des gènes. Tu dis, Seigneur, je dis, merci d'ailleurs, je suis venu. Mais pourquoi m'envoyer tes chrétiens mendiants? Toujours dimanche au moins. Prends le temps de remercier, de dire Seigneur, je prends ce moment de Seigneur, je dis merci, tout ce que tu as fait pour moi. Des événements bons comme mauvais, tout ça, de ma vie, fais tout concorde à toi. Je te dis merci. Et tu ne prends pas là-bas. Pas chaque fois, venir. Quand il vient, là, je m'a dit que Dieu, il m'a demandé encore un peu son travail là. Là, je m'a dit que il m'a demandé encore, qu'il est heureux. Mais quand il vient, tu prends les gens aussi pour les mots, pour les personnes. Mais toi, tu peux traverser des difficultés, mais tu prends pour des personnes. L'amour que tu vas dégager de cela, ça va créer une force. Ça va débloquer beaucoup de choses aussi. Ça va débloquer beaucoup de choses aussi. Ça va débloquer beaucoup de choses. Parce que là, quand on dit l'amour, quand tu as des difficultés, tu as des choses toi-même. Mais il n'y a pas pour toi. Tu penses à ton frère. Quand tu avais pour lui, là, il dit qu'il ne peut pas t'oublier. Mais il y a une commune, il y a des choses toi aussi. Mais tu penses à ton frère. Dieu va agir tellement. Là, c'est le moment pour nous, lorsque nous venons ici là. Chaque fois, de bénéficier de ce que les gens de Dieu ont passé. On va dire non, mais ça, je connais déjà avec moi. Chaque fois, là, on peut raviver encore. Et il y a une coup d'encore qui va s'ajouter encore à ce qu'il y a. Parce que si tu entends seulement, tu ne peux pas empâter. C'est comme c'est zéro. Parce que les animaux, les enfants, on ne sait pas qu'est-ce qu'ils disent, n'est-ce pas? Quand on dit écouter, là, c'est-à-dire qu'il y a un enseignement dans ce que. Quand on dit qu'on peut écouter, là, c'est-à-dire que tu as entendu et puis tu tiens l'enseignement, on peut écouter en même temps. Mais deux couleurs, on n'a pas écouté. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Amen. Nous allons prendre le livre de Deutéronome 4 à partir du verset 1. Deutéronome 5 à partir du verset 1. Deutéronome, chapitre 5, verset 1. Je lis la parole avec le Seigneur. D'abord, moi, le Seigneur. Je lis dans 5 avec le Seigneur. Ok. D'abord, le verset 1. Je lis la parole avec le Seigneur. Deutéronome, chapitre 4, verset 1. Maintenant, Israël, écoute. Maintenant, Israël écoute les lois et les ordonnances que je vous enseigne. Mettez-les en pratique, afin que vous viviez et que vous entriez en possession du pays que vous donne l'Éternel, le Dieu de vos pères. D'accord. Amen. C'est nous qui sommes Israël. Il dit qu'on écoute là, on met en bras. Oh mon Dieu. 5, verset 1. Moïse convoqua tout Israël et leur dit, écoute Israël, les lois et les ordonnances que je vous ai
que je vous ai fait entendre aujourd'hui. Apprenez-les et mettez-les soigneusement en pratique. Amen. C'est-à-dire qu'on écoute là, on met tout en pratique. Ça, c'est le chrétien, c'est comme ça, le chrétien. Le chrétien, il est le Christ là. Il fait l'effort. Il fait l'effort. Tu as fait un an, colère, c'est toujours toi. Deux ans, c'est toujours toi. Trois ans. Mais à quel moment Jésus a bénéficié, ça n'a pas quitté, c'est toi. Ça me donne peur, non. Tu fais un repas à son pas. Un repas. Tu as peur. Tu as peur. Quand il faut laisser ton maître. Il ne faut pas qu'on de l'homme, hein. Il ne faut pas qu'on de Dieu. Tu ne peux pas parler au paradis. C'est ça qui veut nous faire. Ne pas parler au paradis, c'est ça qui veut nous faire peur. Puis moi-même, on pense qu'on est fou. Quand on laisse les gens sur le non, tu es faible, tu es fort comme ça. On peut être faible, parler au paradis. Au lieu d'être fort, tu es allé en enfer. Maranatha, Jésus revient. Le Seigneur vous fortifie. Tu avais travaillé la dîner. Le Seigneur vous soutient. Le Seigneur vous soutient. Nous allons prendre le livre de Nombre 24, après le verset 4. Homme de Dieu. Dieu, hein. Nombre 24, après le verset 4. Nous avons préparé 2 rois 7, 10. Nombre 24, verset 24. Amen. Le moment où on s'appelle le verset 1. Verset 1. 24, après le verset 1. 24, verset 1. Balaam vit que l'Éternel trouvait bon de bénir Israël, et il n'alla point comme les autres fois à la rencontre des enchantements, mais il tourna son visage du côté du désert. Verset 2. Balaam leva les yeux et vit Israël campé selon ses tribus. Alors l'Esprit de Dieu fut sur lui. Balaam prononça son oracle et dit, parole de Balaam, fils de Béor, parole de l'homme qui a l'œil ouvert, parole de celui qui entend les paroles de Dieu, de celui qui voit la vision du Tout-Puissant, de celui qui se prosterne et dont les yeux s'ouvrent. Amen. Amen. On prend le verset 4. Parole de l'Éternel. Parole de l'Éternel. Parole de celui qui entend les paroles de Dieu. Parole de celui qui entend les paroles de Dieu. De celui qui voit la vision du Tout-Puissant. Celui qui voit la vision du Tout-Puissant. De celui qui se prosterne. De celui qui se prosterne. Et dont les yeux s'ouvrent. Et dont les yeux s'ouvrent. Amen. C'est pour dire que dans l'église, il peut y avoir des balades aussi. Mais je ne souhaite pas que tu aies un balade. Parce que lui, on est dans l'esprit de Dieu, n'est-ce pas? On est dans l'esprit de Dieu. Mais quand on va plus loin là, c'est lui qui a dit aux filles là, qu'allez-y là-bas, allez faire position. Comme ils sont trop forts là. Quand ils respectent la parole de l'aide de Dieu là, on ne peut pas contre eux. Donc, position, allez faire eux là-bas. L'aide de Dieu, c'est pas chez eux. Et puis il a pris, il n'a pas fait. Pour que la malédiction soit saisie. Oh, c'est l'homme là qu'on dit, on dit que l'Esprit de Dieu est sur lui. Donc, ça veut dire quoi? Dieu peut t'utiliser. C'est quoi? Même quand Dieu va t'utiliser de manière puissante, il perd son serviteur, sa prophétesse, il perd son rachat, tout ce que Dieu donne dans sa maison. Mais à toi, il dépend en fonction de ta vie. Ben, ce Balaam là, tout le monde le connaît là-bas. Si tu as maudit là, on va laisser. Parce que Dieu l'a oint. Mais Dieu l'a oint là, il peut faire de mauvaises choses. Dieu l'a honte, il peut faire mauvaise chose. Il peut pas faire bonne chose. C'est lui, Dieu, quand Dieu parle, il voit tout en même temps. Directement, Dieu lui a donné ça. Mais lui n'applique pas ça. Et lui, il l'entend. Lui, il a dit quoi? Il dit, il l'entend, non, n'est-ce pas? Et il a dit, il met en pratique. Il n'a pas dit qu'il met en pratique. Il dit, lui, il l'entend seulement. Et lui, il voit tout, quelque chose comme ça. Il a l'onction, tout sur la puissance. Mais il l'entend. Quand tu entends parler de Dieu, il dit, tu entends simplement là. C'est un danger pour toi-même. C'est pourquoi la parole pourrait être déclarée dans le Jean 13, après le verset 17. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux. Pourvu que vous les pratiquez. Dès que vous ne voulez pas pratiquer là, tu ne peux pas être heureux. Pourvu que vous les pratiquez. Donc tout réside dans la pratique.
Ce Balaam là, lui ne pratique pas, il n'a pas dit qu'il est ouvert. Il dit lui voir Dieu, quand Dieu parle, il fait comme ça, il fait comme ça. C'est là, au lieu de la guérir dans l'église, mais Dieu donne l'onction, Dieu donne l'impuissance. Ils s'en foutent, ils ne font pas prendre conseil auprès de quelqu'un. Quand Dieu lui parle, il ne veut plus écouter même. Parce que lui, il ne peut pas. Bon, il n'y a pas encore de résurrection des morts. Le côté de la résurrection des morts. Il va ressusciter moi quand même, c'est fini. L'orgueil va le prendre comme ça. C'est pas Dieu là. Si tu as un effet pour l'état. Mais il va te donner le don là. Tu vas te gâter. Mais le gueule va te. Ça m'a rentré même dans le gueule. Et tu vois, même ton gueule, tu vois, tu fais. Les fois, il y a les puissances, quelque chose comme ça. Mais c'est un danger. Mais lui, ça finit sur les gens dessus après. Et tu es quelqu'un, tu as tout ça. Mais si tu n'es pas en pratique, tu es foutu. Au moment de la pratique, il faut garder le dépôt. Il faut écrire. Il faut retenir. Si tu n'as pas fait ça là, tu es un chrétien, tu es mort. Mais tout l'onction que tu auras. C'est pourquoi la parole pourrait demander, la parole pourrait dire. Jésus dit quoi? Non, on ne va pas chasser les démons à ton nom. Là, on va faire ça, on va faire comme ça. Il dit, tu veux l'iniquité, il dit, c'est notre lui qui pratique l'iniquité. Il dit, il a fait pratiquer l'iniquité. C'est lui qui dit, dans le monde, on appelle ça proxénète. C'est-à-dire que toi, tu prends les femmes que tu fais, tu donnes aux jeunes, puis ils ne vont pas les faire sur les jeunes, là, on a proxénète. La loi, on est condamné à ça. Mais lui, il a pas parlé, il ne va pas faire les trucs comme ça. Il dit, à cette fille-là, allez-y, il faut tirer avec les Israélites là-bas. Là, comme tu vas les frapper. Mais il ne pas ça, il n'a pas le péché là. C'est pas les gars. Mais tout ce qu'il y a fait, il y a fait un Dieu, il y a Dieu de la bénir. Mais il faut qu'il y ait un interdit. C'est pourquoi Dieu va te bénir. Dieu va te lever dans l'église. Dieu va te donner des capacités, des dons. Il faut faire très attention. Quand tu es profité de l'éternel, le diable va me défendre là. Il va prendre un piton. Il prend que là, il prend un piton. Il prend un piton. Il met un piton. Il va dire là, on va attaquer. Tous les prophètes, ils vont les attaquer. Elle était ma foi, tes capacités là. Là aussi, là, les autres, depuis la boîte. Mais c'est le professeur, tu te dis que tes vieux sont très clairs là. À un moment là. Ok, tu veux plutôt. C'est la désir. Tu veux profiter. Par exemple, quand tu montes à Dieu là, il faut vérifier encore s'il n'y a pas des trucs qui t'empêchent. Parce que la fondation là, si tu as une bonne fondation, quand tu fais une meule, tu as fait un sang là, ça va tomber. Mais quand la fondation est bonne là, l'immeuble est sang là, ça tient toujours. Mais toi, la fondation là, c'est pour deux. Et puis tu veux monter tellement haut, tu as demandé tellement de choses. Bon, elle est beaucoup, mais là, il me met à 30%. Donc, nous, on fait très attention. C'est pourquoi Dieu, quand j'ai un demande, il dit non, tu ne peux pas donner. Dis, c'est pourquoi. Si tu te donnes ça là, tu vois, tu vas plus être chrétien. On ne veut pas que ton âme soit perdue. Lui, tu vas être dans le paradis, mais qui n'est pas don même. Tu vas être dans le paradis sans don. L'autre, il tient des dons, puis tu vas dans l'enfer. Mais ce Balaam, là, tu vois, il est allé où? Il commet son don. Quand ils ont l'argent, il va faire quoi? Mais il sait, la puissance, Dieu n'a pas enlevé ce don en lui. Mais il va être maudit. Quand le père, il va être maudit. Lui, il a fait quelque chose, lui, c'est pas son problème. Il n'a plus la volonté de Dieu, il ne sait plus la volonté de Dieu. Lui, il peut pour le commerce. C'est pourquoi dans le monde, d'abord, il y a tout là. Dieu les utilise. C'est la sainteté de Dieu. C'est à cause de l'argent là, ils ont abandonné. Ils ont des paroles aujourd'hui. C'est pourquoi, il sait quoi? Prenons la parole de Dieu. C'est pourquoi nous allons la méditer. Nous allons parler de ça. Chaque fois qu'on est ensemble, qu'on voit, un verset qu'on a lu pour avoir compris là. Si tu vois ton frère, ta soeur, ah, il y a lui qui n'a pas compris. Est-ce que tu vois là? Eh, vous deux là, tu vas communiquer son esprit, que tu se comprennes, et ça vous fait du bien. Nous ne soyons pas des balades. N'écoutons pas seulement. Pas de Dieu, continuer. Dans quelle loi? 2 Rois 10, au verset 7. 2 Rois 10, au verset 7. Quand? 7 ou pas 2? 7-10. Deux rois 7-10. Ils partirent et ils appelèrent les gardes de la parole de la ville, auxquels ils firent ce rapport. Nous sommes entrés dans le camp des Syriens. Nous sommes entrés dans le camp des Syriens. Et voici. Il n'y a personne. Il n'y a personne. On n'y entend aucune voix d'homme. Il n'y a que des chevaux attachés. Et des ânes attachés. Et les tentes comme elles étaient. Amen. Amen. Inconnu bêtise de celui. C'est-à-dire que là-bas, là, après, j'ai été à terre, quoi, après, en train de plus écouter là.
1 Chronique 28, verset 8. Je lis au nom de Jésus. Maintenant, aux yeux de tout Israël, de l'Assemblée de l'Éternel, et en présence de notre Dieu qui vous entend, observez. Dieu nous entend, n'est-ce pas? Mais ta prière que tu as dit là, quand il fait iniquité, là, il entend ça aussi. Avant, le cri du Saint est monté vers lui. Dieu là, il ne peut pas exister. Il entend d'abord. C'est-à-dire que tout ce qu'il a fait là, il s'entend là, lui, il entend. Dieu, non, il entend. Mais si tu as écouté là, c'est que tu es bien, bien maintenant, non? C'est qu'il va exister. Celui qui va bien, bien là, il t'entend seulement. Mais on dit le cri du Saint est monté vers lui. Ça est monté vers lui. L'abomination de Sodome et Gomorrah, c'est monté vers lui, n'est-ce pas? Il a entendu ça, n'est-ce pas? Il a entendu. Mais quand il entend maintenant, après ta vie là, quand il m'a fait le bien, c'est qu'il a mis en pratique. C'est que automatiquement, il a écouté ta parole. S'il n'a pas fait avancer, c'est qu'il n'a pas écouté. Il a entendu son nom, il n'a pas écouté. Et prenez à cœur tous les commandements de l'Éternel. Prenez à cœur tous les commandements de l'Éternel, votre Dieu, afin que vous possédiez ce bon pays et que vous ne laissiez en héritage à vos fils après vous à perpétuité. C'est d'abord là. L'Éternel a entendu ce qu'ils ont dit, n'est-ce pas? Mais dans ses commandements. Quand il fait ses commandements là, maintenant lui met en pratique maintenant. Et qu'il nous entend, il va mettre en pratique maintenant. C'est jamais en pratique là. Il est fini. Il entendait seulement, mais il n'a pas écouté. Mais quand il vient de goûter là, il met en pratique. C'est quoi? Il a entendu, non? Il a entendu ce qu'ils ont parlé. Il a parlé. Il doit se commander. Mais quand tu obéis là, il met en pratique. Fais écouter ta parole. Donc nous devons beaucoup attention à nous-mêmes. Nous devons veiller sur nous-mêmes. Parce que nous ne sommes pas des chrétiens là. On passe dans l'Assemblée des saints. Et chaque fois, l'Éternel dit que c'est bon. On passe à quoi musulman. On passe à quoi musulman. Pourquoi musulman? Moi, quand le Seigneur dit quelque chose là, il écrit en même temps. Mais il retient que mais il écrit en même temps. Pour voir si je ne suis pas d'état. C'est si bien le même répandu. Que le mal par l'enseignant, on met la force pour dire ça. Parce qu'on va rester un jour, peut être dimanche à l'église, quoi. Ce jour-là, ça peut être l'enlèvement. Il ne va pas nous dire quelque chose même. Il va pas que les gens sont partis. Et puis, tu regardes, oh, les gens sont partis, papa, c'est la ville qui reste. Il dit, hein? Donc, il me suis amusé, hein, mon salut. Et tu vas voir que, on dit l'obéissance, il faut mieux que la sacrifice, pour rien. Tu n'as pas oublié à Dieu. Donc, c'est pourquoi faisons l'effort. Dieu nous aime tellement, il nous aime tellement. Faisons l'effort. Quand nous faisons les efforts là, son cœur est réjoui. Et quoi ça, quand on entend notre prière là, il a vu qu'on a observé ces lois là, nous écoutons la bénédiction qui est en même temps. Faisons l'effort. Pour que, on va dire, on va finir, on fait la Pâque, on va finir. Attrapons Seigneur Jésus-Christ. Et après les grands événements qu'on dit, Pâques là, c'est la lourdeur qui vient. Peut-être que Dieu c'est comme ça. Vous ne voulez pas démarquer la vie de l'église. Après les grands événements là, c'est la lourdeur. Le thème, nous, quand on a la loi, un jour on va parler sur les trucs comme ça. Là. Ça vient, on va parler ça. Après, les grands, quand on dit qu'on finit ces minutes là, après ces minutes là, après ça, d'ailleurs, les gens, pour ces minutes, c'est un peu difficile. Mais si ils font l'exercice là, ça veut dire qu'ils font rapidement, ils sont tous dans le bain. Mais les plus, on va dire qu'ils sont un peu, il faut pas tourner dans les efforts là. Et pour ces minutes, c'est dur. On voit que, même quand on vient à la solution, on voit que, quand personne va dire, c'est la mort spirituelle. Parce qu'eux aussi, ils travaillent contre la Pâque aussi. Et quand on a fini la Pâque dans les crèmes, ils ne veulent pas y en finir. Le combat continue toujours. Mais on va se reposer là, pour prier à la maison, pour gêner aussi. Parce que là, tu allumes toujours la flamme de la Pâque, tu allumes toujours. Donc quand on dit c'est fini, on est arrivé là-bas, là, c'est fini. Tu prends deux fous, tu es en train de à l'aise. On se voit des plus valides comme ça. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Nous allons prendre Jérémie, verset 14, verset 36. Ézéchiel 33, 4. Jérémie, Jérémie, verset 5, verset 36. Jérémie, verset 5.
Jérémie 25, au verset 36. Je lis la parole de Dieu avec respect. Il abandonnait sa demeure comme un lionceau, sa tanière, car leur pays est réduit en désert par la fureur du destructeur et par son ardente colère. Amen. Amen. Ézéchiel 33, le verset 4. Je lis au nom de Jésus. Amen. Et si celui qui entend le son de la trompette ne se laisse pas avertir et que l'on a sur sa tête. Que Dieu nous bénisse. Vous allez préparer le 20-17. On peut être 5. Vous avez dit, mais la tire, non? Tu vas la parler ici, là. Alors, on va la tirer en main comme ça pour pouvoir se laisser avertir. Romains 10, 17. Mmh. Ainsi la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Amen. Amen. Parce que entendre là, c'est spirituel. On ne peut pas toucher. Mais voilà, c'est le physique. C'est pourquoi on gêne là. Ça va créer qu'on gêne là. C'est le spirituel. Mais tu t'as parlé, n'est-ce pas? J'ai fait un truc spirituel. On ne peut pas toucher ça. Quand tu entends, on ne peut pas toucher. Quand tu écoutes, il y a une pratique qui est mise en œuvre. Dans la pratique, tu peux toucher ça. La pratique, tu peux faire quoi? Comme celui qui l'a lu là. Dans la pratique, là, tu peux toucher. Mais le moment quand tu entends là, c'est spirituellement. Les animaux là, quand ils parlent, tu entends, non? Hein? Mais ils disent, n'est-ce pas? C'est tout spirituel. Mais quand tu parles, tu écoutes là. C'est-à-dire qu'il y a une pratique là. C'est-à-dire qu'il y a le physique qui vient. C'est comme le voir aussi. Le voir aussi, il y a un complément, il y a une pratique aussi dessus. Donc, ça, quand on dit voir là, c'est physique. Mais quand on dit entendre là, c'est spirituel. Que Dieu nous bénisse. Amen. Dieu. Bah, vous allez pas en donner un peu de façon. Corinthiens 5, le verset 1. On entend dire généralement qu'il y a parmi vous de l'impudicité, et une impudicité telle qu'elle ne serait rencontrée parmi les païens. C'est au point que l'un de vous a la femme de son père. Amen. 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 Et dit, l'impurité, on dit que le péché là, et c'est quand on a les païens et puis nous là. On l'a fait d'abord. Quand on a les païens et puis nous là, qui pêche qu'ils sont là-bas? Non, il vous pose la question, qui pêche qu'ils sont là-bas? Les païens et puis nous. C'est les païens, non? C'est pourquoi la parole dit ça. On dit même les païens ne font pas ça. C'est parce que nous, on a cet esprit. Donc on fait l'esprit pour un Dieu, on a ça en abomination même. Il veut dire que les païens là même, c'est bon. Mais nous, notre esprit est sain. Et puis on prend encore deux choses pour venir mettre. C'est pour indiquer heureux ceux qui sont pauvres en esprit. Dieu dans son esprit est un. Et puis c'est en nous. Le diable a plusieurs démons. Ils ont plus un seul corps. Donc quand ils sont riches en esprit, ils sont riches en esprit là. C'est la perversité, ce n'est plus comme ça. Mais quand même son esprit est sain, quand tu prends, puis tu mets deux choses. Et si toi tu es pain, ton esprit n'est pas bon, puis démon, il n'y a pas de problème. Tu peux être des idoles, tu peux être des pères, il n'y a pas de problème. Mais quand tu as l'esprit de Dieu, tu prends quelque chose pour mettre là. Parce que Dieu aurait même ça. C'est pour dire, même les païens, même là, ils n'ont pas mon esprit là. Ils n'ont pas mon esprit. Ce qu'ils font là, pour être bon. Toi-même là, tu es plus mauvais même. Parce que quand tu suis la demeure de l'éternel, c'est pour dire qu'on ne se moque pas de Dieu. Il ne peut pas des païens. On ne se moque pas de Dieu. C'est que nous aurons sémé. Il va moissonner ça. On ne se moque pas de Dieu. Il dit que celui qui a détruit son temple là, lui, il va le détruire aussi. Parce que nos corps là, Dieu chérit ça tellement. Et puis nous qui sommes chrétiens, nous avons son esprit. On prend tout esprit encore pour mettre. Oh Dieu ne parle pas sa gloire. Il ne parle pas sa gloire. C'est pourquoi il a dit cette parole-là. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Quand nous décidons quelque chose à dire. D'accord. Que Dieu nous bénisse. Bon, nous sommes au thème de notre relation du jour. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu vous demande encore de vous apporter bien tout ce qu'on a. Qu'on travaille ici. Tu sais, les gens viennent ici vous parler. On va t'apporter ça.
Si on faisait un bon bout de temps, on allait voir que notre vie-là, vous allez voir que ta voix qui t'a changé un peu. Qu'est-ce que je venais comme ici, venant, je suis arrivé au début là. Et c'est comment il était. Non, j'ai dit bon, on peut aller voir sur la quai. Si on partait, il fallait moyen, c'est complètement. C'est peut-être quoi, je commence. C'est pour que, quand tu, quand les hommes le disent là, il faut mettre, quand tu mets l'application, tu vas grandir plus. Même si c'est le seul onction que Dieu va mettre là, eux là, ils viennent les trouver, ils viennent les demander. Ils viennent les trouver. C'est le seul onction, même si Dieu me dit, il faut qu'on puisse la pousse. Mais chaque fois, ils viennent les demander. Mais si je les oublie là, c'est ça, on va le faire comme ça. Il y a eu qu'il me suffit, il n'y a pas besoin d'eux. Aussi, il y a un fond. Si mon fondement a augmenté là, c'est grâce à eux. Donc, que ce soit le tout quoi, c'est que le fondement, c'est que la bonne semence qui est à moi là, eux m'ont donné ça aussi. Donc, demain, ça va pas regarder un grand maintenant, c'est le fou de ça. C'est comme si je n'ai pas reconnaissant avec eux. C'est comme si je n'ai pas reconnaissant. Que ce soit que Dieu va t'utiliser comment. Si ils sont devant toi, ils sont obligés de les respecter. Si il a donné une injonction, mais tu dis, ils vont avoir analysé, ils vont plus aussi dans l'esprit de Dieu, ils vont donner les orientations. Amen. Amen. Vous avez eu Moïse, non? Moïse. La mère disant Dieu. Mais j'ai trouvé qu'il y a un pain là, c'est un mandien, c'est un pain. Il dit Moïse, la mère qui dit que la femme mourir. Il dit continue comme ça. Il faut continuer comme ça. Il faut écouter. La vie, c'est une parole sage. Il a appris. Et que dans ton onction là, il faut écouter d'abord. Écoute les gens d'abord. Juste tu vois dans l'année d'abord dans l'esprit de Dieu. C'est avant que Dieu va posément te bénir. Mais si quand le père est arrivé, il n'est pas loin de tomber. Quand il n'est pas arrivé, il n'est pas loin de tomber. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Amen. Amen. Demain, nous avons évangélisation à Coco Bico. 8e tranche. Pharmacie. Pharmacie 8e tranche. Après les machins Coco Bico là. Pharmacie 8e tranche. Nous avons évangélisation demain. À 17h. À un moment de la soirée là. Je ne vois pas trop d'hommes. Quand vient vite là, automatiquement il y a assez d'hommes là-bas. Mais pour que chacun aménage son programme. Aménage son programme pour qu'on arrive tout là-bas. Tout là-bas. Tu vois les mardis, les chefs peuvent plus là, mais tu peux arriver. Je ne vais pas trop se dire, il y a gris là-bas. Voilà. Compact là-bas. Là, on a besoin. Tu dis que quand tu restes, quand on rentre dans le marché, vous voyez. Tout le monde là, depuis qu'on voit qu'en bas, c'est gâté. C'est-à-dire que si les critères, mais on n'a pas arrivé dans le cœur. En gros, seulement les gens sont disqualifiés déjà. Mais imagine qu'on arrive dans le cœur. C'est-à-dire qu'on parle de la cœur, mais beaucoup de gens sont déjà déjà. Donc ils ont des formes. Et puis on va les partir là-bas, la faute de demander à Dieu, et ramène les paroles dans ta bouche. Pourquoi on n'a pas la tête inspirée de parler? Parce que quand tu arrives, tu parles dans la chaleur, parce que tu n'es pas trop. Mais quand tu peux faire ça rapidement, c'est Dieu qui va te faire comme ça. Mais quand tu peux faire des choses là, c'est que Dieu n'est pas dans la chair, tu vas faire comme ça. Tu peux lui dire la chair. Mais il faut prier, il faut dépendre des conditions, des dispositions. Si tu peux gérer, tu peux prier, tu peux agir pour prier, tu consacres un bon temps, tu confies l'évaluation, les paroles que tu vas parler aussi. Tout ce qui va se passer là-bas, à parler, tout le monde va gérer tout ça. Aussi les cœurs. Chacun de nous doit faire comment. Quand chacun de nous, on se met à la brèche là, dans les balcons à arriver là. Bonne Dieu. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Sois fortifié. Amen. La marche n'est pas facile. C'est très très difficile. Mais accroche-toi à Dieu. Accroche-toi à Dieu. C'est vrai, c'est difficile. Il y a le vent qui souffle, il y a la tempête qui souffle. Mais il faut que tu t'accroches au Seigneur Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et le temps est déjà passé. Il y a plus de minutes. Il y a deux choses, le mercredi. Elle se retrouve à 15h, pour t'en continuer. Toutes les femmes sont exceptionnelles. Tout ce que j'attends, je vois là. Mais tu vois, tu t'es une débrouille. Et tu vas mettre les mains aussi, mais tu vas mettre la clé. Dieu qui garde l'alliance, il n'y a point d'autre toi. Alpha et Omega. Il n'y a point d'autre toi, Dieu qui garde l'alliance,
a point d'autre que toi. Alpha et Omega, il n'y a point d'autre que toi. Dieu de Jacob, tu es le Dieu de Moïse. Dieu d'Élie, Dieu d'Élysée, tu réponds par le feu, tu es le Dieu de nos vies. Alpha et Omega, il n'y a point d'autre que toi. Père, je te bénis, je te célèbre, je te rends toute la gloire. Merci pour ce moment, Père, passé en ta présence. Je te rends toute la puissance, l'honneur, Père, je proclame que tu es grand et puissant. Tu es grand et glorieux. À toi revient toute la magnificence. Père, si je pouvais, Père, m'accaparer toute la gloire de ce monde, toute la puissance et toute l'adoration et te dédier, Père, je le ferai. Mais Père, avec ce que je peux, avec mes fronts d'union, avec mes anges et des lacances, Père, je veux te célébrer et t'adorer. Père, je remets encore entre tes mains la vie de chacun de tes enfants. Que Père, tu étends ta main sur leur cœur, que tu étends ta main sur leur esprit, que tu étends ta main sur leurs armes, roi de gloire. Et que l'effort que nous avons besoin, ce qui est nécessaire, Père, pour prendre encore en marche cette vie du ciel, que tu puisses, Père, nous la donner, afin que, Père, ne soyons pas surpris, mais que, Père, au contraire, nous redoublons de prudence, nous redoublons de vigilance, afin, Père, de ne pas tomber dans les ruses du diable et se détourner encore de ce chemin du ciel que tu as préparé pour nous. Roi de gloire, veille sur nous, protège-nous, garde-nous, à notre arrivée, à notre départ, dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Amen. 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 Le Seigneur est béni.